Trouver de l'eau potable dans certains quartiers de la ville de Melun est une équation difficile à résoudre. D'après Léopold, jeune habitant de la ville, voit l'installation de la tuyauterie d'eau est un luxe que certains quartiers n'ont jamais profité depuis la création de la ville, connue sur l'appellation de la cité du café. Nous espérons que d'ici, avec la nouvelle station de pompage qui est en train d'être mise sur pied, les problèmes, nous allons être satisfaits. Conscient de la souffrance que traversent les populations de cette localité, le gouvernement a entrepris la construction d'une station de pompage et de traitement d'eau. Avec son système de récupération et de relais, cette infrastructure de pointe peut stocker jusqu'à 1500 mètres cubes d'eau par jour. Le directeur général de la Camwata justifie sa venue ici. Il est question de toucher du doigt l'état de l'avancement des travaux avant la mise en service annoncée pour fin mars 2024. C'est l'occasion de rappeler que le président de la République pense aux populations du monde. Nous sommes donc venus assurer que ces stations vont être mises en service et vont rentrer en fonctionnement immédiatement dès fin mars. Il est vrai que notre réseau est vieux, mais je pense aussi qu'à force de s'abonner, ça va encourager les dirigeants de l'édifice à mieux travailler pour mieux nous servir. Il ne reste plus qu'attendre la mise en service de cette station pour résoudre définitivement le problème de la pénurie en eau potable dans l'arrondissement de Melun.